Salut à toutes et à tous, c'est Selinka. Donc comme promis, on se retrouve pour Okami devant le beau portail de sauvegarde. Nous sommes dans la cave de la lune. Amaterasu fait n'importe quoi et on est reparti. Donc voilà, donc petit portail de sauvegarde. J'ai aucun souvenir de ce qu'il y a derrière ça. C'est sympa, hein, mais... Parce que pour moi, ça me paraît un peu bizarre qu'il y ait un portail de sauvegarde ici. Parce que j'ai pas souvenir qu'il y ait quelques boss ici. Donc on peut monter. Voilà, la caméra un petit peu mieux. Un coffre! Boum! Un os sacré. C'est toujours sympa. Moi, je me rends compte que là, je suis un peu partie en touriste dans la cave de la lune. Hein, parce que normalement, là, on va combattre Orochi. Et j'ai même pas vérifié si j'avais de quoi me soigner au final hein, pour le boss parce que c'est pas n'importe quel boss. Yep. Non. On va par où. Je sais pas du tout ce que c'est, on dirait des bassins de sel ou des trucs comme ça. C'est joli, mais je sais pas du tout ce que ça représente cet endroit, les stalactites, stalagmites. J'arrive jamais à différencier. Là, il y a un truc, c'est un pot. Un pot! Avec une pêche. Non. Monte. J'ai dit monte! Trop beau, moi. Il est magnifique. Bon, il n'y a rien. Bon, c'est chouette, là, mais... Voilà. Je dois faire quoi? Ah! Yep. On doit aller à la baston. Bastonnage. Oh, le joli nœud. C'est pas un nœud, c'est un tambour. Merci, Selinka. Donc, un nouveau monstre qu'on n'a jamais vu avant. Papam. C'est pas grave. Ça se marave aussi bien. Allez, baston. Ah, les temps de chargement, par contre. C'est... Ah, il est grand. Il paraissait pas si grand. Hein? Allez, un petit peu. Hop. Voilà! Oui! Deux crocs! Ouais, il est généreux, lui. Cool. Des sous. Allez, next. Pas next? Bon. C'était plutôt succès. Hein, quand je disais que ça se maravait aussi bien. Un parchemin! Un masque du démon. Ça, c'est très rigolo. Tiens, c'est le même masque que portent les démons. Voilà. Celui-ci est tout blanc. Donc, il y a nous de dessiner. À quoi on va ressembler? Alors, à quoi on va ressembler? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous faire? Je fais toujours des bêtises comme ça. Là, ça va être très compliqué. Je pense qu'avec sur ce passage-là, c'est beaucoup plus facile avec la Wiimote. Et voilà, en fait, on a notre petit dessin sur notre tronche. Allez, ça me va. Allez, ça me va comme un grand. T'es le plus beau des télémacaques du coin. En effet. Ouais, allez, j'adore. Tadam! Tu ressembles à un vrai démon. Ah bon. C'est un démon secondaire. Ce trait de joie de porter un masque pareil. Allez, maintenant, normalement, vu qu'on a la gueule de parchemin, on va pouvoir passer... N'oublions pas que les démons qui étaient à l'entrée, c'était pas des bien malins. Donc maintenant, faut retrouver quoi. Avec mon sens de l'orientation légendaire, ça va être. Ah, là-bas! Là-bas. Je veux le portail! Heureusement qu'il y a ces petits trucs là pour m'aider à me guider. Je serais vraiment dans le caca sinon. C'est par là! Et. Yep! Mais t'as qu'un sujet.
excusez-moi. Voilà. Que fais-tu là? Tu es de garde? Ah, ils sont vraiment débiles, hein, ces démons. C'est yokai, comme on dit. La grande cérémonie pour le sacrifice en l'honneur du grand Orochi va avoir lieu aujourd'hui. C'est pas le moment de glandouiller. Allez, let's go. Let's go. Let's go. Here we go. Tais-toi, Julie, tais-toi. C'est en chargement, je crois que... C'est quand même assez atroce. Et nous voilà dans l'antre. Voilà, c'est vrai que de l'extérieur, la cave, elle ne payait pas de mine. Mais dedans, c'est quand même assez grand, c'est très vaste. Plutôt classe. Bon, ça pue un peu du cul parce que c'est quand même l'antre d'un démon, quoi, mais... Alors, une porte, une grille avec une clé. Bon, on fait un petit peu le tour, histoire de... Un démon. Les hors d'œuvre ne sont pas encore prêts. Le Seigneur veut toujours qu'on lui serve des hors d'œuvre. Pourquoi c'est si long? Ça devrait être déjà prêt. Le Seigneur Rochi va nous bouffer tout cru s'il ne s'active pas. Qu'est-ce que c'est? Gna gna gna. Faut qu'on aille sûrement voir en cuisine. Est-ce que c'est là la cuisine? Vers la cuisine. Je trouve. Quelle puanteur, voilà. Même temps, c'est de la bouffe de démon. À quoi il s'attend? Hein? Sérieusement? La belle marmite, une fleur de Konoha, je sais plus, perdu. Alors, c'est pas le moment pour le chef de s'absenter, il était là il y a à peine un instant devant ce grand pot. Où est-il passé? Haha! Hop, vous remarquez, hein, vous vous souvenez de la petite araignée, la grosse araignée. Et la technique qu'on avait utilisée. Et bien, les mêmes choses sur le pot. Ouais, ça n'a pas marché. Elle est là. Une liane. Une autre liane. Et voilà. Et voilà le chef. Bon, je vous avoue, j'avais mis du temps à trouver qui était tombé dans le pot. Viens m'aider, mon joli. Sors-moi de là avant que je ne finisse poulet rôti. Donc voilà, le chef. Et voilà, c'est pour ça que les hors d'œuvre ils pouvaient pas avancer là, s'ils étaient dedans. Ah, j'aimais. Fais toujours la cuisine avec ton amour viril. Oui, d'amour viril, en effet. Ouais, c'est glauque quand même. Non, non, je veux pas être ton assistante. Il faut que je lui prépare ses hors d'œuvre. Allez, sous deux pieds, tu le regretteras pas, tu viens là. On n'est pas venu. Comment expliquer? J'ai presque fini, mais j'ai un petit problème. Je n'ai plus assez de mes ingrédients secrets. Je ne peux pas finir sans impossible. Il me faut ces ingrédients, soit un amour et aide-moi, mon cœur. Peut-être le démon le plus sympa qu'on ait vu hein, depuis le début. Un coup de main. Allez, un coup de main, merci. Il y a 4 ingrédients. Pardon. Chacun d'entre eux se trouve quelque part dans la cave de la lune. Merci. Merci, c'est tellement précis. Foie d'ogre. Lèvres de glace. Œil du feu. Enfin, j'allais dire œil du fou. C'est presque ça. Œil de feu et corne du démon noir. C'est compris, mon chou. Je compte sur toi. Ouh là là, j'ai failli oublier. Prends cette clé. Et voilà, c'est ce qu'il nous fallait pour passer la grille. Ça, c'est cool. Donc, on a ça. Oh, point de sauvegarde. Ça, c'est cool. Je l'avais complètement oublié. Sauvegardage. Parce que quand même. Je vous dis, hein, profitez à fond des points de sauvegarde dans ce jeu, parce que vous savez jamais quand il y en aura un autre. Donc ça, il semblait qu'on pouvait... Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a des sous. Voilà, il y a des sous.
Papapam, papapam. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui, du coup? En fait, je savais qu'il était tombé dans le pot. Quel salaud. Mais quel salaud. Allez, donc sur notre carte, quick, c'est indiqué. Donc c'est cool, ça. Il y en a un là. Bon. Il me semble qu'il y a quelque chose par là. Oh, quick. Ça fait mal. Hein. Donc c'est pas tout de suite, ça, je crois. Cette technique, nous l'avons pas encore vue. Non, nous ne l'avons pas encore vue. Donc ça, c'est bien plus tard. Allez, là, on va ouvrir la porte, déjà. Il est par là, il me semble. Hein. Oui. Je suis trop forte. Je m'épate. Et je planche. Mais ça fait splanche. Allez. Let's go. On y va. Donc, voyons voir la carte. La carte là. Donc, il y en a un tout au bout. On y va. On garde la foi. Donc, un chemin. Tout ce qu'il y a de plus banal. Qu'est-ce que... Ouh ! J'ai le chaud au miche là. Attention les pieds. Ok, non mais merci. Alors, au plafond et une fleur. Ok, bon bah... Allons-y. Toujours aussi droite, mais... Méliane. Ok, donc c'est là on peut pas se poser dessus. Hein. Donc, va falloir réagir assez vite. Là, on enchaîne. Oh, elle est où la fleur? Je suis là. C'est chaud un peu. Oh, là j'ai eu chaud. Miche, il y a un œil. Regarde cette lanterne qu'on a. Elle ne m'inspire pas confiance. Allez, on va lui fermer l'œil. Parce qu'elle m'énerve. Tiens. Bon, ça ressemble beaucoup à Zelda. Hein. C'est comme la flèche qu'on doit planter dans les bidules. Hein. Et un nouveau combat épique. Ouais. Baston. Fleur, ouvre-toi. Ou le chasseur nous tue. Pardon, excusez-moi. Allez, m'embête pas. Ouvre-toi. Ah ah. Je suis où? Je suis là. Cet enchantement de fou. Wouhou. Ça, c'est pas magnifique. Moi, je vous le dis. Je m'améliore de jour en jour. Wouf. Ta-da-da-da-da-da-da. Un coffre. Il est où? Ok, le coffre. Il est là. Une foie d'ogre, notre premier ingrédient. Ça, c'est cool. C'est quoi par là? C'est de là qu'on vient? C'est pas comme si j'avais une carte en même temps. Ouais, donc il y a là, rien là. Il n'y a rien d'autre. Ouais. Un petit tour, hein. Par acquis de conscience, quand même. Voilà. Bon, il n'y a rien. Demi-tour. Il n'y a pas une carte sortie. Pardon. Celle-là, j'aime pas du tout ce passage. Parce qu'en général, je me vautre comme une grosse merde. Oh. Fail. Pleure. Yann. Hop, là, il y a un petit truc où on peut se poser pour récupérer un peu l'encre. Hop, il n'y a rien d'autre. Non. Ah. Est-ce qu'on peut les casser, ces trucs? Non. Non, on peut pas. Il faut aller tester. Est-ce qu'on peut aller directement à celle-là là-bas? Non, elle n'est pas ouverte.
Elle n'est point ouverte. Donc, obligé. Donc, la première fois que j'ai joué à Okami, je ne savais pas qu'on pouvait... comment dire, qu'on pouvait bouger la caméra quand on était figé comme ça sur l'écran où on dessine. Donc à chaque fois, je devais faire en sorte de tomber bien. C'est pour ça que je me vautrais si souvent. Et donc voilà, c'était quand même très contraignant. Donc quand j'ai découvert qu'on pouvait bouger la caméra, ça a été épique. Voilà, c'est comme quand j'ai découvert qu'on pouvait avoir... On voit quoi, il était pas bien montré. Il t'a pas bien montré. Là, il est bien. Là, celui-là. Et noie-toi dans une flaque d'eau. Là, là, là. Voilà. Bon, il y a quoi par là? Un chemin. Un chemin, bah, prenons-le. Hein. Moi, je pense que s'ils ont fait un grand plan sur... un gros plan, pardon, sur le geyser, c'est qu'on doit aller par là, quand même. Et voilà, c'est un geyser. Donc on est un peu en hauteur. Donc c'est vraiment très très vaste. Hein. J'ai la voix qui commence à fuir. Reste avec moi. Boum. 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 Derrière il y a quoi? Des pots. Ouais, moi j'aimerais bien accumuler le maximum d'argent parce que mine de rien la technique qui vaut 100 000 rio. Ça m'intéresse pas mal de voir un peu ce que ça peut être. Qu'on est obligé d'être dedans. Ouh, ça c'était un trait, mais magnifique. Sauf qu'il faut aller dedans. Faut aller dedans. Je te dis. Alors, hop. Alors, nous sommes où? Nous sommes là. Apparemment, il y a un ingrédient secret par là. On continue. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Attention, fragile. Avançons doucement. Donc, faut pas courir. Faut pas courir, faut pas courir. Comment faire? Et je regarde sur les côtés, s'il n'y a rien. Donc, on y va tout. On marche. Sinon, il se pète, hein, il me semble. Je testerai au retour. Et voilà. On est passé. Sauf que... Ah ouais, sauf que voilà, on n'a pas la technique. Donc c'est cool, mais non. Oh, dessous. Est-ce que ça continue? Non, bon, c'est qu'une fois. Dommage. Bon, bah, je vous ai emmené là, mais ça sert à rien. Et voilà, merci. Pourtant, j'avançais doucement. Hein. C'est juste pour l'aller-retour et pour nous faire tomber. Hein. Je sais pas, si vous voulez nous faire tomber, il y avait plus simple. Hein. C'était de pas mettre de pont. Bref. Baston, j'ai dit. C'est mal quand même. Hop. Oh, 3. Trop bien. Trop bien. Bon, toi, tu m'agaces. Pas crever. Toi aussi. Bah, du coup, je vais louper celui-là. Voilà, baston. Avec ta guitare de mes deux. Il joue même pas de musique avec. Ça a rien qu'ils en aient. Vous êtes d'accord avec moi, tout à fait. Temps, super, dégâts. Boif. Waouh. De l'eau. C'est génial. Là, on va peut-être pouvoir monter une petite stat, quand même, parce que ça fait un moment, je trouve que j'ai rien monté. Hop, donc j'en ai 195. Points de vie. Mouais. Ou alors, je mets la bourse au maximum. On va faire ça. Donc, on va attendre d'en avoir 250 pour monter la bourse. Après, je commencerai bien à monter l'encre et voilà.
Alors pourquoi il... C'est super, il y a de l'eau. Donc faut faire quelque chose avec l'eau. Ah, vous vous souvenez de ce petit truc là? Ce moulin là. Blop, blop, blop. Ouais. J'ai pas bien compris le principe. Mais ouais. Et on vit de l'eau. On a ouvert le siphon. C'est cool ça. Et comment on y va? Comment j'y vais moi? Ah ah, geyser. Geyser, me voilà. Il y a un truc là-bas, non? Ouais, 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 il y a un truc. Je vais aller voir ce que c'est ce truc. Nénuphar. Nénuphar. Non, c'est ça, ça fait du vent. J'adore quand ça fait ça. Après, au fur et à mesure qu'on a des techniques, donc qui se ressemblent un peu, eh ben, se mélangent un peu toutes, du coup, quand t'as le malheur de pas bien dessiner. Bah, c'est de la merde. Un charme d'exorcisme, c'est cool. C'est cool. Ouais. C'est qui là, là-bas? Est-ce qu'il nous dit quelque chose ou pas? Ouais, je regarde un peu tout avant de me barrer de cette pièce, parce que lui, je l'ai pas vu tout à l'heure. Peut-être que je suis passée devant sans... Ok. En gros, il nous disait juste ce qu'on avait à faire. J'ai pas eu besoin de lui, moi. Je suis un fou. Comme dirait Argo, je suis un fou, moi. Voilà. Il est trop beau, moi, je sais. Bah, il partait pas dans ce sens, hein, sur mon dessin. Allez. Hop. On y va. Ouais, sauf que j'aurais aimé prendre un truc pour augmenter un petit peu ma divinité, divination, je sais plus. Allez, on ne laisse pas souffler. On le marave. On coupe. C'est bien, la 3 quand même, c'est assez balèze. Ah, dégâts fleuris. Temps fleuri. Je suis trop forte. J'aime bien me lancer des fleurs comme ça aussi. Donc, pam, 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 on vient de là. Donc, le nœud qu'on va fermer. Parce que je l'aime pas. Simplement. Waouh, on a ouvert quelque chose. J'ai pas envie de sauter dedans, bizarrement. Ça a l'air un peu de puer du cul. Oui, donc on est là. J'ai pas du tout envie d'y aller. Hein. Donc on va prendre le petit geyser là. Le geyser. Voilà. On verra bien ce qu'il y a en haut. Et on va haut, hein. Ok. Donc, yep. C'est quoi cette fleur qui n'était pas là tout à l'heure? Plonk. Donc c'est une fleur ressort. C'est un trampoline. Oui, raté. Oui. Oui. Et voilà, donc on est revenu tout en haut. Ouais. Donc, ok. Ok. C'est où? On va faire la carte. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pour l'instant, je n'ai qu'un seul ingrédient, ma foi. C'est pas bien glorieux, tout ça. Hop. Donc, tout à l'heure, je suis passée par là. On va continuer, hein, voir ce qu'il y a. Besoin d'une clé. Et toi là, bah de fleurs. Est-ce qu'il y a un... Non, alors faut juste sauter. Non, on savait jamais. On sait jamais, on savait jamais. Tout à fait. Oh, raté. Raté. Donc, bah écoutez, je sais plus. Avec quelqu'un. On va aller voir. Qu'est-ce qu'il me veut? Tiens, t'es nouveau. Ouais. Ok, tu sers à rien, merci. Bon, écoutez, là, on a le foie d'ogre, donc il nous manque 3 ingrédients pour pouvoir faire les hors-d'œuvre. Hein,
pourquoi on les aide à faire les hors d'œuvre alors qu'à la base on est venu là pour tuer Orochi? C'est pas bien compréhensible. Donc je retourne à la cuisine pour lui donner le foie d'ogre. Voilà, bon, la cloche du festin. Ok, on aurait envie, hein, mais elle est gelée. Elle est gelée. On va dans la cuisine. Où es-tu, chef? Tu es tout en haut? Tu es tout en haut? Oui. Tu bouges pas de place, tu bouges pas ton cul, comme tous les autres. Eh oui, tout à fait. C'est à nous de faire tout le boulot. Tu as trouvé un des ingrédients, tu as adoré. Bravo, mon beau chevalier blanc. Mon dieu! Allez, le foie d'or. Chaque ingrédient que je rajoute me gonfle d'amour contre. Donc voilà, on a trouvé un ingrédient, il nous en reste trois. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve la prochaine fois, portez-vous bien! Salut!